toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur Léon Djoléo. En débutant cette édition à Goma, où au cours du culte d'action de grâce de l'indépendance devant le président de la RDC et la première dame, l'apôtre Roland Dallo de l'église centre missionnaire Philadelphie a insisté sur les deux mandats, mais pas trois, au président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez l'extrait choisi par votre rédaction. Excellent, je voudrais en terminant m'adresser à vous plus directement. Qui dit action, tout ne va pas s'arranger du coup. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, deux, mais pas trois. Allez jusqu'où vous pouvez aller, et j'en ai la certitude, même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude, ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. J'ai toujours prié pour vous, que vous viviez suffisamment longtemps pour que l'histoire reconnaisse ce que vous êtes en train de faire. Mon pasteur disait, ceux qui font l'histoire souvent ne sont pas conscients. Ils vivent normalement, mais c'est ceux qui écrivent après qui reconnaissent leur valeur. Aujourd'hui, au présent, les gens ne vous reconnaissent pas. Dans 10, dans 15, dans 20 ans, dans 30 ans, on dira le tournant est parti de ces moments-là. Et j'ai une bonne nouvelle en terminant ce jour. Cet appel et cette vocation que Dieu nous a donnée parce qu'il a placé dans notre sol nous amènera au sommet de ce continent. Et qui sait, nous amènera au sommet du monde. J'ai 57 ans à peine. J'ai conscience que je vivrai minimum jusqu'à 80 ans. Et chaque fois, j'ai dit, si je ne verrai pas les grands Congo, je verrai le balbutiement du grand Congo. Que Dieu bénisse sa parole. Et à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé le mercredi 30 juin, au nom du chef de l'État, la cérémonie des dépôts de gerbes de fleurs devant le monument du premier président de la RDC, Joseph Kasavubu, ainsi que du tout premier ministre Patrice Emery Lumumba dans la commune de Limete à Kinshasa. Cette cérémonie chargée des symboles marque le 61e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Toujours dans ces chapitres, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Banimoué Zizé Vital, qui a représenté les bureaux de la Chambre basse du Parlement à la cérémonie de l'an 61 de la session de l'indépendance de la RDC, à cette occasion circonscrit l'événement suivi. À nos héros nationaux, je cite l'ex-président Kasavubu, aussi l'ex-premier ministre Lumumba, parce qu'ils ont bâti un très grand travail pour que nous puissions nous retrouver aussi dans les concerts des nations, retrouver la souveraineté nationale. Ils nous ont légué la République. Laquelle République je vocalise sur notre devise. Vous voulez que nous ayons une République où il y a la justice, une République où il y a la paix, une République où les gens sont des travailleurs. Et à l'heure qu'il y a, je suis de ceux-là et l'Assemblée nationale soutient le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il tient sur notre devise, notamment la justice pour arriver à un état de droit. Nous voulons vraiment un état de droit, nous ne voulons pas. Nous voulons une république forte, des institutions fortes, et non des hommes et des femmes forts dans la république. Donc l'état de droit est à soutenir, et là c'est le volet justice. Aussi, là où il y a justice, il y a paix.
Vous savez que notre président de la République est devenu pèlerin de la paix et toute l'Assemblée nationale soutient l'initiative, surtout l'état de siège que nous vivons à l'est de la République, où le président séjourne présentement. Nous devons travailler pour la paix. Ces hommes, aujourd'hui, dont nous commémorons, dont nous reconnaissons la mémoire, ils ont donné, ils ont pris, ils ont payé leur sang pour que ce pays soit république, soit pays uni. Et le président de la République et tout le monde là-bas, nous soutenons ce qui se fait à l'Est. Il n'y a pas que ces héros. Il y a d'autres frères, d'autres sœurs, des compatriotes, je voudrais dire, qui sont décédés au front, notamment nos vaillants soldats, des citoyens aussi qui sont morts et qui meurent ici et là. Et aujourd'hui, nous devons soutenir l'état de siège pour que nous puissions recouvrir cette paix qui ressort dans notre justice et que ce ne soit plus un slogan, mais que ce soit plutôt une réalité vivante. Aussi, le travail. On nous a légué la République. Les autres ont souffert, ils ont payé de leur sang. C'est pour que nous soyons des travailleurs. Et c'est là pour booster le développement dans tous les secteurs vitaux de notre vie. Pour que les Congolais mangent à sa faim, pour que les Congolais soient sécurisés. Donc, le problème du travail, il faut vraiment, pour que nous puissions juguler le chômage, devenir aussi comme un cancer social dans notre pays. Et de l'autre côté, à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance de la RDC, l'opposant Martin Fayulu a, au cours de son message adressé au peuple congolais, a insisté sur le fait qu'il faut respecter l'expression de la majorité. À poser les jalons qui feront du Congo un pays fort, digne et prospère à la dimension de ses ressources et de sa position au cœur de l'Afrique. C'est ce Congo-là, rêve brisé de nos pères de l'indépendance, que nous voulons construire dorénavant et pour lesquels nous nous battons en entretenant la flamme de la victoire allumée le 30 décembre 2018. Rien n'est plus sacré que le respect de l'expression du peuple traduite dans les urnes. L'onction qui offre la légitimité nécessaire pour conduire une action salvatrice. Sans institutions légitimes, sans enrayer la corruption endémique actuelle, le développement du Congo restera utopique. Notre pays n'a pas vocation à demeurer une zone d'extraction des ressources primaires sans leur donner une valeur ajoutée. La paix et la prospérité en RDC passent entre autres par le développement des industries de transformation ainsi que des infrastructures de communication, routes, rails, ports, aéroports, pour assurer la liaison entre toutes les provinces et tous les territoires du pays. Nous devons rester mobilisés et éveillés pour que plus jamais personne ne puisse voler le choix du peuple souverain. De la même manière, nous devons rester vigilants et mobilisés pour réclamer l'exhumation du rapport Mapping. Chers compatriotes, nous n'avons qu'un pays. Et c'est à lui seul, à son drapeau, que nous devons allégeance. Ce dont nous avons besoin, c'est un État organisé, avec des institutions légitimes, fortes, et un leadership responsable et compétent, porteur d'une vision claire de la place de la RDC, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple. Je vous remercie. Quittons la commune de la Gombe pour ces deux Limété où la jeunesse de l'UDPS souhaite le vœu de paix, l'unité, puis exhorte la population congolaise d'être confiante car l'émergence est aujourd'hui. Message de la Ligue de Jeunes de l'UDPS à l'occasion de la commémoration de l'indépendance
de la RDC. Le 30 juin, commémoration du 61e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo. La Ligue des jeunes de l'UDPS souhaite ses voeux de paix, de prospérité et dignité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à tout le peuple congolais. Le changement que nous avons attendu depuis environ 6 décennies commence à se matérialiser peu à peu sous le mandat de l'actuel chef de l'État. Par son leadership éclairé, nous avons le retour du pays sur la scène internationale, la diplomatie des bons voisinages et la valorisation des atouts locaux dans le but de travailler ensemble pour le bien-être du peuple d'abord. Le chef de l'État a montré que le Congolais est réellement capable de relever sa tête longtemps courbée. La Ligue des jeunes de l'UDPS croit en la richesse très variée de ressources humaines pour prendre un bel élan vers un état de droit et prospère à tous égards, tel que voulu par nos pères de l'indépendance. C'est pourquoi la Ligue des jeunes soutient l'état de siège et manifeste sa compassion envers nos frères et sœurs de l'Est du pays et elle invite le jeune à ménager aucun effort pour en découdre avec cette guerre injuste et ce terrorisme importé. Que la consolidation de la justice, le rétablissement de la paix à l'est de notre pays et la continuation de la lutte contre la fraude se renforcent dès aujourd'hui et perpétuellement pour le salut du peuple. Vive la jeunesse congolaise, vive la République démocratique du Congo et que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie. Changeons de chapitre, parlant économie dans cette édition. Après les échauffourées entre le gouvernement et la FEC que dirige Albert Yuma sur la hausse de prix sur le marché congolais. La rédaction de Léon Djoléo vous propose de suivre cette analyse. Suivez. Moins de 10 dollars. Il n'a fallu que des rabais annoncés pour voir la Fédération des entreprises du Congo FEC sortir ses griffes mercantiles. Et pourtant, ces rencontres sont une preuve éloquente du débat et d'inclusion qui ont entouré la démarche du ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kalumba. Tous les importateurs de produits surgelés ont participé à ces rencontres et ont convenu avec le ministre de la levée de toutes les charges qui pesaient sur la structure des prix. Fort de l'expérience négative du passé, ces importateurs ont tenté d'amener le ministre à accepter l'intégration dans la structure des prix de près de 36 éléments des charges non reconnus par la réglementation en vigueur pour justifier des marges bénéficiaires au-delà de ce que prévoit la loi. Ces importateurs aux allures des capitalistes inhumains se moquent visiblement de la misère du Congolais. Lorsque les écrits des dirigeants d'Égal, une autre entreprise importatrice des surgelés, fustige le comportement de ses pairs et révèle la cruauté de ce commerce d'un carton de cuisses de poulet acheté aux États-Unis à 0,63$ et vendu à Kinshasa à plus de 20$, il est l'heure d'échanger des méthodes. Même en enfer, on ne peut pas être à l'abri d'un soulèvement devant telle méchanceté. Le gouvernement de la République, qui a utilisé le dialogue avec les acteurs, est arrivé à la conclusion rendue publique par le Conseil des ministres, que du reste, la population a salué avec beaucoup d'enthousiasme. Il n'est plus question désormais d'assister passivement à la prédation des importateurs des surgelés qui veulent imposer la jungle dans un état de droit. Le gouvernement devra se montrer des... Et de l'autre côté, les analystes donnent leur point de vue par rapport aux flambées de prix sur le marché congolais et expliquent le rôle de l'État, puis le rôle des opérateurs économiques. Suivez. À la question de savoir la entre l'État et les opérateurs économiques qui sont regroupés au sein de la Fédération des entreprises du Congo, il faut dans un premier temps comprendre que la société fonctionne comme un système. Et dans ce système, il y a des sous-systèmes. Et les opérateurs économiques font partie d'un sous-système. On appelle ça le secteur privé.
L'État, c'est un sous-système des institutions de la République. Et vous avez la population, la société civile de manière générale. Mais les différents compartiments, les différents sous-systèmes, chacun a une mission. La mission de l'État, c'est donc de faire la régulation des différents acteurs, des différents sous-systèmes qui sont en interaction dynamique. Mettre des règles, créer un environnement propice à l'émergence des activités économiques, des initiatives privées, etc. Tandis que les opérateurs économiques ont la responsabilité, n'est-ce pas, de produire des biens et des services qui sont aussi profitables par la population, mais qui peuvent aussi aider l'État à raffluer de l'argent pour permettre à résoudre des problèmes sociaux. C'est très important. Et donc la relation entre l'État et les opérateurs économiques doit être une relation de confiance, parce que chacun joue sa partition, même si l'État, en tant que régulateur, est au-dessus de toutes les différentes composantes. Et donc, lorsqu'on assiste, par exemple, à une sorte d'incompréhension ou à une sorte de contradiction entre les opérateurs économiques et l'État, cela s'entend. Parce que, croyez-moi, l'État a ses règles et l'État tient à ce que ces règles soient véritablement suivies. Certainement que les opérateurs économiques doivent appliquer les règles, mais aussi constituent des groupes de pression. Les opérateurs économiques aussi constituent des garde-fous. Ils sont capables aussi, n'est-ce pas, de faire des propositions dans les domaines qui est le leur. Et ça veut dire en fait que vous ne pouvez pas prendre des décisions comme on voudrait dans ces secteurs-là sans avoir des avis et considérations des opérateurs économiques. C'est très important. Donc, il y a interaction dynamique entre les différents acteurs. Alors, certainement que l'État qui a le veto par rapport à ça, mais s'il a le veto et qu'il ne sait pas écouter aussi les opérateurs économiques, c'est très clair que l'économie va chuter. Et si l'économie chute, non seulement les gens vont perdre les emplois, mais il n'y aura pas fuyant. Vous avez suivi là Norbert Yamba dans ce propos recueilli choisi par la rédaction. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement et partagez nos journaux. Au revoir.